Cher honorable membre du groupe Parlement debout, il y a un document, ils allaient qu'on circulait sur les réseaux sociaux avant et ben qu'on circulait dans les qu'il en haut déjà. Ce document, comme mandat spécial. Vous confondre mandat spécial au futur cas de Komilaka, camarade Félix, mais au mandat spécial, va préciser un sujet centrafricain pour acquérir de coopérer la République de Niger, que certains Rwandais ou tout Rwandais, génocidaire. C'est le Kagame pour que Baya Kokutana camarade de Félix. Si ces documents, ce qui est botalé en haut, commis bien sur instruction du camarade Félix, président de la République. Cela veut dire que les documents engagent le chef de l'État du Congo directement. La première question que je vais poser sur cet audio, c'est au AP de la sécurité extérieure. Monsieur AP de la sécurité extérieure, je pense que avant tout comme la peau qu'on a aux combonaio, jusque là, na ebi combonaio t'es, na zupe fichier naio t'es na eba place au ta parcours naio na ebi angoté. Mais na zaka ka ko interpeller yo à travers mes audios. Plus tard, je pense que je vais entrer en contact avec toi. Dans le cadre et à service, comment ko bongisa musala l'État. Je ferai tout pour notre numéro, je ferai tout pour notre contact. Parce qu'il y a des choses sur la sécurité extérieure où ils ont échappé. Le prédécesseur Azakiwana Asumani, la bande qu'on frappait tous les jours, c'est parce qu'Azaki Mutumakasi, Azaki têtu. Il était têtu, il ne comprenait absolument rien de la sécurité extérieure. Je trouve que c'est même pas, même logique, au bandit l'angola et bandeli. Comment se fait-il que un directeur de cabinet, un simple directeur de cabinet, un simple administratif doit engager les services de sécurité de l'État. Et pas bon côté cahier. Hein? Ces documents, d'un comme les langues, n'a pas été engagé dans ce document. C'est de manipulation. C'est monsieur d'entrée de manipuler. L'opinion nationale, il manipule l'opinion internationale. Il est en train de donner l'accès à Kagame pour que Kagame se justifie sur le plan international que le Congo est avec les FDLR. Le Congo est avec les génocidaires. Comme ça, la communauté internationale va oublier cette histoire du M23. Et ils vont donner la raison à Kagame de nous attaquer et de faire des reports ou quoi. La sécurité extérieure. Vous devez interpeller ce monsieur de l'état de cabinet. Sortez vos bandits. Vous aurez des problèmes avec moi. La banque. Des cabinets chaque jour. Jusqu'à ce que vous allez disparaître. Peu importe ça, l'un et l'autre côté. Ce monsieur doit être interpellé. Arrêté. Va même chasser de la présidence. Ma complice sur sa présidence. Et Yébara Yébani. Et Kamal de Fils à Yébango. Vous avez engagé les gens aussi de la présidence dans le seul but de donner le béquille à Kagame. Yo ministre des Affaires étrangères, dans la zone de l'Ote, dans la zone de l'Ote, dans la zone de l'Ote, vous vous retirez sur les dialogues de l'Angola et vous adoptez la guerre. Tant que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait sortir comme les idées. Bon, la cabine t'attend au retour pour que ton composé, ton yébani, tu vas pour le Congo. Bon, vous avez l'idée de la bise, on est mabé. Donc, vous avez l'idée de la bise, non. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Vous vous retirez dans Katia, à Kori, Angola, avec objectif de la guerre. Mais en même temps, vos partenaires menacent de quitter l'Ouest du Congo.
Et quand le gomme va tomber, vous allez dire quoi? Non, parce que nous sommes retirés de la côte de l'Angola, l'armée n'était pas forte. Nazoko est là, yo ministre des Affaires étrangères. Parce que j'ai encore tant de dossiers sur vous. Tous on a encore un dossier qui est dani. Il y a 15 ans. 15 ans, vous écrivez les mandats spéciaux. Ça, ce sont des activités de la sécurité AC, activités clandestines. Les activités clandestines sont réservées seules au service de la sécurité d'un pays. C'est la DENIAP qui devrait faire ce travail. C'est l'ANR extérieur qui allait s'occuper de ce travail. En toute discrétion. Et parfois, ceci ne demande même pas d'avoir des mandats spéciaux. Ça ne demande même pas que vous écriviez une lettre. Parce qu'il y a des traces au quotidien là. Nous avons un chef de station au niveau de Niger là-bas, de Niamey. Je ne sais pas ce réseau qui existait. Ce qu'Azali et l'ambassadeur Azali vont confier par une mission spéciale. Et ceci allait passer par des canaux. Il y a sécurité de sécurité, service de sécurité. Mais c'est à peine de l'extérieur. Bon, tu as l'année, bah, là-bas. Ce travail allait se faire en catimini par les canons des services de sécurité. Si vous n'avez pas l'attaché militaire, la Niamey, la Niger, c'est le chef de station de sécurité extérieure qui allait s'occuper de rencontrer ces gens-là. De parler avec bouche à bouche, sans aucun document. Si réellement vous demandez qu'on compte battre le Mboka. Sans que les abonnés et la trahison. C'est parce que le service de la sécurité en Mboka, il y a un individu. Ce n'est pas les Congo qui gèrent le service de sécurité. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, voire même époque de Joseph Kabila ici, un directeur de cabinet ne peut pas se permettre. Il y a comme une lettre, il y a comme un génocide en Mboka, et qu'allez vatiquer. Kalev allait arrêter ce monsieur le même jour. Vous devez convoquer ce monsieur. Vous devez convoquer M. Dalo. Le pasteur, soi-disant, le pasteur des camarades de Félix. C'est un monsieur qui a une mission. C'est un monsieur qui est manipulé par la force extérieure. La force de sécurité extérieure. Il y a un pays Moussous, il y a une puissance Moussous. Ce monsieur a un rôle à jouer. Ce monsieur manipule les cabinets présidentiels. Il nomme les gens au sein de la présidence. Regardez la première personne. Oh, il faut pointer Moussapi. Monsieur Kinzo. Anthony Kinzo. Au sein de la présidence. Botala. Première manipulation naïve. Il a enlevé le monsieur Georges Tshibang. Gilbert Tshibang. Je ne sais pas si j'ai prononcé son nom correctement. Serge Tshibang. Serge Tshibang a été chassé de la présidence avec des motifs que vous connaissez. Vous, les Congolais, tellement que vous avez dit 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 que Philemon Yav, général Philemon Yav, avant la prison jusqu'aujourd'hui, soi-disant, il a compris ça M23. Mais il a compris ça M23, il a dit Chico, Chico Chitambo, Chico, ça c'est une parenthèse. Combien de localités à faire tomber, Chico Chibango, Chitambo. Est-ce que vous vous rappelez hier, Bokangi, mais Philemon Yav est en prison, hein? Babiboumbaf. Vous devez revenir sur ce monsieur. Monsieur Dalo doit être interpellé au niveau des services. Vous devez l'interviewer même pendant 5 heures du temps, même 2 jours. Il faut boire Moutouana. Vous devez l'exploiter. Si vous aimez le pays, les services de sécurité, Boka Moutouana.
Anthony Kizo, vous devez le faire la même. Moukanda naye a commis ezali manipulation. Moukanda naye a commis, c'est une façon de manipuler l'opinion nationale et internationale. Moukanda a commis un mandat spécial, c'est pour permettre à Kagame, yake, voilà, voilà, les Congo, hein, bazali ko collaborer na ba génocidaire. Les Congo bazo ko alimenter les AFDLR. Voilà. Avec tout ça, Kagame aura la raison sur le plan international. C'est ça que vous ne comprenez pas, vous autres. C'est une manipulation. Organisée de toutes pièces. Le moment où vous allez, FDLR a conseillé la bisou du Congo. Ces génocidaires-là, si vous regardez, sont des vieux papas. Ils sont déjà fatigués. Ils viendront faire quoi au Congo? Et l'oncle, il est mis au Congo. Ils sont mis au Télémine, au Colomoko. Ils sont mis au Colomoko. Ils sont mis au Rwanda, au Colo. En 1998, tu sais la Kayango, tu es tellement mon colomoko, tu es tellement mon boko. Le problème, il y a trop de complices au sein de la présidence. On a tenté de marcher sa vie dans la vie de Kinshasa. Tu es un Rwandais. Barwandais, tu es la Rwanda dans ma pompe, tu es un Wapi. Tu es un camarade de Félix, tu es un Rwandais dans ma Wapi. Après, tu es un Rwandais, les Gilles Mounière et consorts, les combattants de vie de presse, tu es en prison. Voilà la complicité et ce qui est vendu, c'est à la présidence. Ceux qui m'ont convoqué d'été de cabinet, en tout cas, vous s'attendre dans moto. Chaque jour, je commence à frapper. Ce directeur-là doit être interpellé soit à la DENIAP, soit à la NER. Et puis, je demande à camarade Félix de chasser ces messieurs-là à la présidence. Ces messieurs-là, à Yemabe. Assimi se touche d'abord sur le plan international. Aujourd'hui, ils ont collaboré là-bas, FDLR, ils ont collaboré dans le génocidaire. C'est ton directeur de cabinet qui a écrit la lettre, la PC Bande Koulaye, va publier. A Benganaki Nicole Boacha, Kalate, dans une réunion, Benganaki, parce qu'il y avait un retard de 5 ou 6 minutes. Bon, on a un directeur, il n'y a pas un autre directeur du cabinet. Est-ce qu'il y a un chef ou non? Il y a un mouton au Maya. Pour venir pouvoir avoir un rendez-vous dans la carte. Excès de zèle. Ce que Bengali était aux accomplices. Ça, je parle camarade de Félix. Ce que Bengali Moutouan était la cabinet de Nayo. Au nom même à la mboc à la carte cabinet de Nayo. Aux accomplices. Ton côté qui a la côté de l'Essoussata pour mon côté. Au contraire, maintenant, on va tout faire pour que vous soyez aussi chassés de cet endroit-là. C'est quoi ça? Comment vous avez toujours tendance de nommer des gens au basé toujours pour le Rwanda? Dans le cabinet, il y a bien entourage. Vous excusez, là, ça, là, où la Kanda. Honor Kivu, au sud Kivu. Nous avons tant de tribus là-bas. Tous les fouleros. Tous les rega. Tous les bembe. Tous les tondengue, les chis. Mais voilà la scolaire la cabinet camarade de Félix. Voilà la bateau basse qu'on accompagne. Ceux qui basent des moulins de terre, basent des chi. Voilà la stratégie du Rwanda. Voilà la stratégie du Rwanda. Rwanda commence à se cacher derrière les deux tribus. Il y a un Sengaki, il y a un numéro, il y a un Mwami, il y a un chi. Il y a besoin que cela soit. Tribu naïe et que vous allez jamais tremplin de la Rwanda. Par le passé, ce sont les chis qui combattaient le Rwanda. Par le passé, les maïmaï, la plupart sont des chis. Mais aujourd'hui, les chis, vous allez dire, tribu naïe, vous allez jouer à la carte à Mboka, vous allez coopérer dans vous. Parmi les trois grands, les grands partis politiques du Congo, il n'y a que les chi, UNC, chi, Vital Kamerhe, Baïti Lokwenu, parti d'ailleurs, chi. Il dépense aujourd'hui, Mathieu Moutoumoussou Souana, ou a remplacé Kabouya, chi. Ok, le Sénat, vice-président Sénat, chi. Porte-parole, la présidente, chi. Directeur de cabinet, soi-disant, congolais, chi.
La première dame, chi. C'est quoi ça? Et comme il y a chi, 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 chi partout, les animes, les communines. Ce qui est basé chi, c'est basé moulingue. Cabinet, il y a moulini, c'est quand on peut se faire confiance. Camarade Félix, c'est ce que l'on de tête de cabinet dans l'hôtel. Donc, côté la bisson, nyon maki. Parce que monsieur est tenté de vous piéger, à ce que piéger la République, à l'idée que la question Congo, que nous sommes des criminels. Tout ce que vous comprenez dans FDLR, dans le Bénin, dans le Baoudou, dans le Bélé, ils ont la caté. FDLR Kabila, Zongisa, on a Rwanda. Rwanda a formé Bangazouissa au Congo. Tout dénonçant quand il y a le Conseil de sécurité de l'ONU. Archive Ezali, vidéo Ezali. Et l'ambassadeur qui avait dénoncé ça lui a coûté cher. Bon, ben, la cahier, je passe les années en période de Oyo. Bah, Rouberwa, bah, ça, l'ambassadeur a rappelé à Lungwa, dans les Nations Unies. Je pense qu'il doit être en Kinshasa là-bas. Il avait dénoncé que les FDLR, Tozongisabango. Il y avait même des volontaires, Bazongi Panamango. Kagama Zongisabango, Congo. C'est quoi, Azongo de la manière à Zongisabango, à rappeler Bango, Bazabatoudaye, Bakokende. Il n'y a pas d'FDLR au Congo. La même chose avec ADF, ADF n'existe pas au Congo. Ce sont les commandos ougandais qui sont au Congo pour justifier la guerre de Kagame et Museveni. Hein, mes chers amis. Ces gens-là n'existent pas au Congo. Alors, pour terminer, la lobélie Makambouya. Il y a sécurité extérieure. La débit, pour ce qu'ils aient un ton anglais qui le colombie, parce qu'ils ont la kanda, dossier personnel en kanda avant la loi. Tout ce que vous devez faire pour le moment, c'est remettre, vous devez renforcer nos services de sécurité. La population, vous devez travailler avec nos services de sécurité. En commençant par les services de renseignement militaire. Vous devez travailler avec ça. Vous devez collaborer avec les services de sécurité civile, l'ANER. Bissou Batoalibanda, nous sommes appelés à travailler dans les services de la sécurité extérieure. Il y a ANER tout comme il y a DEMIAP. Juste pour nous qu'on veiller qu'au talab qui nous compléter pour l'ambassade. Nous devons beaucoup écrire là-bas chancelier au nion citoyen na bango. Ander là-bas audio tokomaka. So boy bakati tokomaka mingi. Vous devez écrire beaucoup là-bas chancelier pour qu'on dénonce autour koloba. Ne vous limitez pas seulement à qu'on dénonce là-bas audio, vous devez écrire là-bas chancelier. Bon là qui se bango oh les autres salima solo sur le terrain. Les Congo est pris en otage par les Rwandais. Les Rwandais ont placé leurs gens dans Katia présidence. Ils ont placé leurs agents dans Katia service et à sécurité militaire. Tu es battu là-bas, on a service civil. Il y a sécurité en Boka. Tu es battu là-bas, partout. Il y a la migration partout. Il faut bien expliquer ça là-bas, chancelier. Il y a beaucoup de vanda partout. Il y a la vérité. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras. Parce que certains pays africains vont bah, comprendre politique. Il y a Congo le sous-souté. Bah, on comprend de l'autre côté. Vous avez un président qui est moins en Mboka. Qui est moins en Mboka. Mais il nomme un directeur de cabinet rwandais. Moins en Mboka. N'a pas axe de défense union sur la Mboka. Et ça, là-bas, rwandais. Mais on se pose des questions. Pourquoi? Bakangé ma Mboko, Bakangé Mounoko, Nini. Et ça, Nini. Qui est cette force-là, où ils ont coupé ce pouvoir l'accent de Mboko, voilà. Force sont les bananes. Bah, tout le monde est américain, bah, démocrate américain, bah, multinational, bah, dans Rwanda, dans Ouganda, là, bah, britannique, mais bah, on ne va pas comme ça, le bah, lui, non, c'est pas possible. Les Britanniques, on a bah, visible, bah, moi, on a raté. Bah, américain, on a bah, visible, bah, moi, on a raté. Bah, alors, bah, on a corrélé sur Moussa Nabinezanini. Bah, on a la carte à service en renseignement. Bah, on a la service militaire. Bah, on a la présidence. Partout, la population, pourquoi ne pas se soulever? Pourquoi ne pas se soulever? Laurent Désiré Kabila a osé. En 98, il a osé. Il est mort en héros. Et pourquoi vos camarades de Félix Okobanga? Okobanga, bah, multinational pour la Nini. Basé en otage, pourquoi?
Kabila sa kenda, mais on continue à la garde du corps à Kabila dans le Congo. Et Zanini, on explique à Rondengue n'est pas l'abisso. Et tout ça, ça prouve qu'on a libre terre. Bâtir ces gens soudains dans ces maisons, d'ailleurs, là, partout. Une honte. Une honte pour nous, les Kassaïens. Quand on met des sous-tolles, vous avez le pouvoir? Vous n'avez pas le pouvoir? Le pouvoir, c'est pour les Rwandais, les Tutsis. Au bazar, quand il y a beaucoup. Bah, quand il y a armé dans ma boko. Bah, quand il y a plus de blocs autour de ma boko. Bah, on ne va pas vous dicter. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, les Congolais. Réveillez-vous. Suivez-moi, deuxième audio. Morning Star.